Et nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo du gameplay de Killing Floor 2. Alors, ça doit être la troisième ou la quatrième. Et cette fois-ci, alors là, on va prendre une classe. Attention, c'est pas une classe de rigolo, c'est la classe du flingueur qui, comme son nom l'indique, eh bien, lui va utiliser que des revolvers ou des pistolets. Généralement, il les a en double. Donc là, c'est carrément western assuré. Par contre, il a la particularité d'être très 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 puissant. Il fait vraiment très mal. Le problème, c'est qu'il a aucune ligne de mire. Hein. Donc, il n'y a pas de viseur. C'est au feeling. Donc, avec l'habitude, ça va. Mais c'est un style de jeu qui est hyper particulier. Et surtout, généralement, les revolvers ont très peu de munitions. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il recharge souvent. Et que le rechargement prend du temps. Donc, là, c'est pareil. Hein. Il a quand même une bonne dose d'atouts différents. Donc, moi, j'ai pris les pénalités de vitesse pour les mires et l'inclinaison des armes, effectivement, c'est au fur et à mesure où on tire, l'arme a tendance un petit peu à baisser et les balles aussi ont tendance à arrondir leur trajectoire. Donc ça, impeccable. On se déplace à la même vitesse quand on vise que quand on ne vise pas. Et puis, qu'est-ce que j'avais fait? Bah, bien sûr, augmentation des dégâts des revolvers et des flingues de 20% et 30% de dégâts en plus aux bras et aux jambes. Donc ça peut être pratique pour ralentir les zombies. Augmenter la vitesse de rechargement, ça c'est quasiment obligatoire parce que sinon c'est atroce. Hein. La vitesse de rechargement là elle est divisée par deux. Donc c'est impeccable. Et puis les tirs à la tête eh bien, peuvent ralentir les aides ou les étourdir. Donc ça c'est impeccable. Après il y a différentes façons de faire. Mais voilà un petit peu comment ça se passe pour le flingueur. C'est parti, c'est fusillade à gogo et on se lance dans une partie maintenant. Et zou! Une première vague de Z se dirige Allez, on vers est vous. parti sur la Tenez-vous carte prêts? confinement et cette fois-ci avec la classe du flingueur. Là, c'est règlement de compte à OK Corral. Et le flingueur, ça dépouille, ça fait mal. Mais ça n'a pas de ligne de mire. Pour ceux qui ont déjà joué à Call of Duty, hein, moi je me suis arrêté il y a très longtemps parce que Call of Duty c'est quand même vachement de la merde. Et bien le flingueur, c'est un peu Monsieur Akimbo, c'est-à-dire que voilà. Grosse puissance de feu. Lui pour le coup il fait vraiment vraiment très très mal. Par contre les lignes de mire il connaît pas. Enfin on peut viser. Mais bon. Finalement on fait sans. Et surtout son gros défaut, c'est que généralement, on envoie du pâté, on s'énerve sur les gâchettes, mais bah, il faut qu'il ait le temps de recharger aussi. Là, il a 2 6 coups, donc ça fait 12 coups de feu. Ça part très vite, et pour recharger, eh bah, ça recharge très très lentement. Pour l'instant, qu'est-ce que je fais, Emon, qu'est-ce qu'il a de nouveau lui? Est-ce qu'ils ont ajouté des trucs? Double Desert Eagle, d'accord, double Magnum, ou la double AF machin bidule, ça a l'air très très méchant. Mais pour l'instant, 650. Qu'est-ce que je fais? Je tente. 650. Je suis sur le point d'éteindre le module. Ok, je tente ça. Je remplis. Et ça devrait faire l'affaire. Ouh la grande classe. Le module est fermé. Allez sauver le monde. Où est-ce qu'ils sont partis? Les petits coquinous. Mais est-ce donc Saturne qu'on voit là-bas? Mais c'est incroyable. Allez, on s'en va, on va rejoindre les autres. Ça
vrai que j'ai dû y jouer des centaines de fois, mais j'avais jamais remarqué ça, ce joli panorama. Après, c'est vrai que comme le jeu est très rapide et que généralement ça s'énerve très rapidement, on n'a pas trop le temps de regarder les décors. Où est-ce qu'ils sont passés eux là? Ça, il me semble que j'ai du monde au cul un petit peu là. Et moi j'aime pas bien ça avoir du monde au cul. T'en sors bien en combat. Excellent. Il ne reste presque plus. Mais je comprends pas, c'est quoi leur but dans la vie là? À courir partout, à... Oh, est-ce que je suis resté avec la même équipe du coup, ça se passe bien donc... Mais j'avoue que cette histoire de bougeotte, se séparer sur la carte et... Je vais te soigner. Mes blessures sont soignées. Les oreilles. Parfait. Module est à nouveau ouvert. Tu m'as fait mal aux oreilles, moi je te fais mal à la tête. Vous avez besoin de soins. C'est mieux. Bon, puis l'avantage sur ces vidéos, c'est que là, on a eu que des teki-teki médecins. Ouais, on a quoi furieux, le fou furieux, on a du SWAT. C'est vrai qu'on n'a pas de soutien, on n'a pas de commando. Vous aimez vous faire réduire en bouillie ? Donc pour récupérer du matériel, c'est compliqué. 800. Si je vends ça, ça fait 974, donc j'ai pas assez. Et de toute façon, j'ai besoin d'armure. Donc on va re-remplir tout ça. Les grenades à clous, on garde aussi. Très bien. Au moins, cette fois-ci, j'ai des automatiques qui sont chargées. Ah, alors là, on est sur une vague où on doit protéger une zone. Ce qui veut dire que les gars qui ont la bougeotte, là, ils vont être obligés d'y aller. Parce que ça rapporte des sous-sous. Les sous-sous dans la popoche. Attention, démon. J'en ai un chargeur. Oh, gros pépère en approche. Tut. Voilà, on va pas recharger, on va carrément prendre les automatiques. Voilà. Ah bah oui, d'accord, c'est le festival. Une petite grenade. Oh bah il y en a même un deuxième. Là en plus on a une sirène. Oh là là, mais c'est quoi ce truc là? Toi déjà t'es privé de tête, comme ça tu vas arrêter de nous embêter. Le fou furieux, lui, pendant ce temps-là, il continue gentiment sa petite boucherie. Ah, des munitions. Y a des munitions là. Ça, c'est pour Bibi. Parce que Bibi, il a bien l'intention de prendre des gros flingues qui font très très mal. Bah merde. Leur tirer dessus est presque trop facile. La zone est toujours sécurisée, mais c'était vraiment juste. Bien mieux. Ah, effectivement, on n'a pas gagné grand chose, hein, 75. Je connais un barbac qui ne reviendra pas, grâce à vous. Ah, ça devient intéressant. Alors,
C'est quoi le plus gros? C'est 1500. Ah ouais, ça vaudrait presque le coup, hein. Bon, déjà, on va vendre ce tas de boue là. La vague, j'ai pas vérifié où on en était. 1591. Ah ouais, mais là c'est compliqué. Allez, je prends le double AF, je sais pas quoi là. 91 pour le charger. Ah, ça passe juste, hein. Ouh là, c'est du gros pépère ça. C'est moi ou c'est un double? C'est un double canon ça? T'es pas beau toi. Bon alors là, méga gros calibre, c'est parti. Ouh là 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 là, mais il y a du monde par là. Ouh, ça va mal tourner. C'est pas qu'il y en a qu'un barbac, c'est qu'il y en a, il y en a partout. Oh là là là, puis il y a encore du gros ici. Alors là, c'est fatal quand même, hein. Le fou furieux qui est en train de découper tout en morceaux. Moi je vais aller l'accompagner. Ouais, par contre moi les enfants c'est un petit peu buggé, non? Alors là je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. En plus c'est un peu con parce que la vague d'après c'est le boss. Et que ça veut dire que j'ai perdu tout mon matos. Alors honnêtement... Est-ce que ça a bugué? Est-ce que j'avais pas plus de vie et je m'en suis pas rendu compte? Mais là, en tout cas, j'ai eu bien mal. Bon, ça va aller vite. Il n'en reste plus que 15. Et en plus, j'avais acheté l'arme la plus chère du de la classe. Donc là, ça... Ça pue un peu. Aïe 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 aïe. Choisissez bien vos derniers achats. Off. Il me donne combien là? 1500. Oh la misère, la misère. Notre combat se passe bien. Bon, le boss, bah du coup je vais assister, mais honnêtement, là je vais pas servir à grand chose. Ça fait 1200 avec l'armure, ça fait 1300 si je revends mes flingues. 1300, ouais, je vais pas aller. Personne ne soigne votre équipe, vous allez morfler. Je vais pas aller très loin. Affichez les commandes d'échange et améliorez votre équipement. Alors, alors. Qu'est-ce que je peux avoir? Bon, déjà, 300, on a dit. J'ai des munitions. Ça, hors de question de garder ça. Donc, on avait dit 1350. Ou on me file du cash. Alors là, les enfants, vous me sauvez carrément. Ou là, il y a du don. Il y a du don, il y a du don. Je vais pouvoir ouvrir ma propre banque. Prends ceci. Merci. Ça me sera bien utile. Un peu d'argent. Il faut y retourner, mes amis. Bon, alors j'ai le plus gros calibre, par contre j'ai plus rien à côté. Hein. Et voilà le roi barbac. Alors là, ça va être sport. Ça va être très très sport. Allez, va-t'en, mini barbac.
On s'occupe de ton papa Barbac. Les papa Barbac. Ouais, je vais aller choper des munitions. Ou alors tout à l'heure je me suis fait piéger, j'ai pas regardé que ma vie était descendue. Oh toi, t'es aussi caractériel que ton papa, c'est pas très bien. Bon, ils ont quand même vachement rééquilibré hein, parce que là il y a des munitions à foison, avant il y avait pas tout ça là. Ah là il est en train de... Allez on envoie de la grenade. C'est vrai qu'il pique un peu lui. Bon la prudence. Parce que clairement si on reprend ne serait-ce qu'une charge. Bon d'accord on a déjà un petit camarade qui est mort. On se soigne. Oh putain c'est mauvais. On se casse. Mayday, mayday. En plus il est bientôt mort là. C'est bon. Impeccable. Je me sens beaucoup mieux. Donc voilà. Le gameplay avec le flingueur, c'est du basique, c'est du grand western, mais c'est peut-être une des classes les plus difficiles à jouer, parce que sans ligne de mire vraiment, et en plus les deux pistolets ont pas exactement la même trajectoire, mais de temps en temps c'est plutôt une classe agréable à jouer. Après c'est vrai que c'est une classe qui est aussi lassante, parce que là de A à Z c'est vraiment que des flingues. Et il n'y a pas, de super arme ou donc. Mais ça m'a fait bien plaisir. Et à plus tard pour la prochaine classe qui sera je sais pas laquelle. À plus tard.